Soyez les bienvenus! Estou muito feliz, je suis très contente parce qu'aujourd'hui je vais recevoir une invitée, Audrey. Estou muito feliz que hoje eu vou receber uma convidada direto do Canadá. A nossa conversa vai ser 100% em francês. Vocês viram que o meu batom vermelho continuou, né? Depois do carnaval. Primeiras vezes na vida, gente. Para tudo tem umas primeiras vezes, né? E tô esperando a Audrey aparecer aqui. Importante, vou falar isso aqui em português e depois não falarei mais em português. A nossa live de hoje é 100% em francês para que vocês possam ouvir a diferença de sotaque da França e do Canadá. Então, maintenant je vais expliquer en français, en attendant que Audrey se connecte. Est-ce que Audrey est là? Je ne l'ai pas vue encore. Donc, notre live aujourd'hui sera 100% en français. Parce que j'ai une superbe invitée, Audrey. Voilà, je la vois déjà. Audrey, je t'invite. Et canadienne, elle va nous en parler. Voilà, salut, bonsoir. Bonsoir. Bon, tout d'abord, enchantée, je suis très contente que tu sois là et je prends la liberté de te tutoyer. Oui, vas-y, pas de problème. Moi aussi, pareillement, je peux te tutoyer. Oui. Bien Ok, sûr, bien sûr. ça Et je suis très contente, Audrey. J'avais déjà vu tes vidéos sur TikTok. dépend. Et Ouais, ok. puis après, je t'ai trouvé par ici. Et c'est pour moi une grande occasion. Comme tu le sais, je suis prof de FLE, de français langue étrangère, surtout pour un public lusophone, un public donc qui parle portugais. Et Ouais, il y a beaucoup, donc j'habite au Brésil, et il y a beaucoup de Brésiliens qui partent vivre au Canada ou qui veulent vivre au Canada. Ouais, je sais déjà qu'il y en a quelques-uns qui me suivent. Ça fait quelques mois, quelques années même que je vois des Brésiliens qui me suivent, qui m'écrivent des messages de temps en temps et tout. Ah bon? D'autres profs aussi qui me disent utiliser mes vidéos parfois. C'est vraiment cool. Ah ben c'est bien, c'est bien. Oui, Ouais. il y a un grand mouvement de Brésiliens qui partent ou qui veulent partir du Brésil vers le Canada. Ben, je vois déjà des gens. D'ailleurs, si vous êtes là avec nous aujourd'hui et que vous voulez partir au Canada, dites-nous. Je suis sûre qu'ils vont beaucoup apprendre et moi aussi, du coup. Oui. Parce qu'il faut que je te dise, Audrey, moi, je ne connais pas beaucoup sur le Canada. Et à chaque fois que mes élèves me posent des questions, la réalité, c'est que j'ai un peu recherché, j'ai un peu appris, Ouais. mais pour moi, c'est une grande occasion de pouvoir te parler, de pouvoir connaître vraiment Ouais. et Moi, j'en connais d'apporter pas beaucoup ici. sur le Brésil non plus. Ben voilà, ça sera un grand échange. Et alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui me posent la question, et peut-être que toi-même, tu te poses la question. En fait, moi, je suis franco-brésilienne. Ma mère est française, mon père est brésilien, je suis née au Brésil. Mais j'ai la double nationalité, j'ai été à l'école française ici. Ah, Donc, du coup, voilà pourquoi je parle français. Et voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles françaises dans ton pays? En fait, il y en a trois. Moi, j'habite à São Paulo, qui est la plus grande ville du Brésil. Il y en a donc des lycées français, on les appelle les lycées français, mais ça fait de la maternelle jusqu'en terminale, donc ça fait toute Ouais. l'éducation. Et en fait, la France, elle a, je ne sais plus le chiffre exact, mon frère est un stit comme toi, on va en parler encore. Ouais, Et lui, il sait très bien le chiffre, il me l'a dit, je ne sais plus si c'est 500, un truc comme ça, 500 écoles françaises qui appartiennent au gouvernement français dans le monde. Et de Ah, ces 500, il y en a trois au Brésil. Il y en a une à São Paulo, une à Rio et une à Brasilia, qui est la capitale. OK. Et voilà. Alors moi, j'ai été dans une école comme ça, une école bilingue. J'ai appris à lire et à écrire en français. Ah. Et alors, raconte-nous, Audrey, Ouais. tu es prof. Tu es prof de quoi exactement? Parce que tu es prof comme moi, mais pas du tout comme moi en même temps. Non, c'est ça. Allez. Je suis prof au primaire. Donc, nous, au Québec, on dit enseignante au primaire. Je pense qu'en France, ils disent institutrice, professeur Et des écoles. enseignant J'ai aussi. comme entendu plein de façons de le dire. Au Québec, Oui. on dit principalement enseignante au primaire. Donc, le primaire, c'est les enfants de la maternelle, environ 5 ans jusqu'à 11 ou 12 ans, je dirais.
Après, ils quittent pour le secondaire. Là, c'est plus l'école pour les adolescents. C'est pas la même chose. Moi, j'enseigne pas au secondaire. Donc, puis bon, quand tu es titulaire, quand tu as une classe au primaire, ben, tu enseignes un peu toutes sortes de matières, en fait. Oui, j'enseigne le français, mais pas seulement. J'enseigne à ma classe, à mes élèves, le français, les mathématiques, un peu d'histoire. On dit univers social, mais c'est comme histoire. Les arts plastiques, les sciences, je fais un peu de tout, mais je pense que c'est comme ça dans bien des pays, là, quand tu enseignes aux enfants, tu fais comme un peu toutes les matières. Il y a juste anglais, parce que chez nous au Québec, c'est l'anglais la langue seconde, là, qui est appris hein, comme deuxième langue, que j'enseigne pas, parce que c'est des spécialistes qui font ça. Donc, il y a une enseignante qui enseigne que l'anglais dans toute l'école, puis il y a l'éducation physique, le sport, que j'enseigne pas. Ils vont au gymnase avec un autre enseignant, mais sinon... J'enseigne un peu toutes les matières. Dans le système français, c'est exactement comme ça aussi. Hein? Et d'ailleurs, c'est drôle parce que il y a quelques années, à mon époque, on disait aussi primaire, secondaire, et puis après, on disait lycée. Mais aujourd'hui, on dit primaire, et à la place de secondaire, en France, on dit collège. Donc, primaire, collège et lycée. Et j'ai vu que quelqu'un t'a posé la question. Est-ce que tu, dans quelle, à quelle année exactement tu enseignes? Ah ouais, OK. Ben en fait, bon, ça c'est un peu compliqué. Je sais pas si, à quel point je dois rentrer dans les détails, mais ça prend quelques années quand même avant d'avoir un poste stable. C'est peut-être comme ça dans d'autres pays aussi. Tu pourras me dire comment ça se passe chez toi. C'est pas tout de suite en sortant de l'université qu'on a le poste qu'on veut, puis la classe qu'on veut. Mais tout ça, ça prend plusieurs années. Donc, j'ai expérimenté plusieurs niveaux là, dans les dernières années. Mais depuis la rentrée scolaire de 2020, moi, c'est mon poste là, que j'ai pour la première fois. C'est comme ma classe, mon poste que je vais conserver l'année prochaine aussi. Puis là, c'est une classe de deux et troisième année. Donc, c'est un double niveau. Donc, j'ai des élèves de deux et de troisième année ensemble. Ils ont entre 7 et 9 ans, je dirais, là, 7, 8 ans environ. Et tu habites où exactement? Ben, je le dis pas précisément pour garder vie Ah privée bon, parce oui, que bien sûr. c'est pas une grosse ville, hein, mais sur la rive D'accord. sud de Montréal. Au sud de D'accord. Montréal, dans une petite ville de banlieue. Ok, bien sûr, bien sûr. Je vois qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Français dans les commentaires. Ils écrivent en portugais, donc je suis la seule à pouvoir lire ça. Ouais, moi je peux Mais. pas lire si vous écrivez en portugais. Voilà. Mais je voulais te demander quelle est l'image des Français pour les Canadiens et peut-être, je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les Canadiens ou pour les Québécois spécifiquement, il y a une image Ouais, je comprends. spécifique des Français. Plus ou moins, ben, je pense que le préjugé un peu négatif qu'on entend dire, mais c'est pas moi personnellement qui pense ça, Oui, c'est tout le monde qui pense t'inquiète ça, pas, là. t'inquiète pas, je suis Mais le habituée. préjugé un peu négatif, c'est que ben, certains Québécois ont l'impression que les Français sont plus hautains, qui ont une attitude prétentieuse, hautaine. Un peu en raison de l'accent, tout simplement parce qu'on n'est pas habitué. T'sais, on trouve que la façon qu'il s'exprime, ça sonne plus hautain. Là, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais bon, il y a quelques préjugés comme ça, peut-être qui sont, pardonnez-moi mon langage, mais qui sont chiants, qui sont un peu moins polis, moins sympathiques que les Québécois. Mais bon, on sait que c'est pas tout le monde qui est comme ça. On sait que c'est pas vrai pour tous les Français. Mais ça, c'est un peu quelque chose qu'on entend dire. Ouais, je pense que ce serait ça. Et tu n'es jamais allé en France aussi. Moi, je suis allée, ouais, deux fois, deux ou trois fois. Ah Ouais. bon? Ouais. Et juste pour le tourisme, est-ce que tu connais quelqu'un en Juste pour le France? tourisme. Ouais, principalement pour le tourisme. Mais en fait, il y a quelqu'un dans ma famille qui est français, mon beau-père. La première fois que je suis allée en France, c'est à l'adolescence, environ là, quand j'étais un peu plus jeune, c'était pour aller voir un peu sa famille, puis sa région où il a grandi. Puis par après, je suis retournée quelques années plus tard sans ma famille, juste avec mon copain là, pour visiter. Pour juste pour Excellent, le excellent. loisir, ouais. C'est drôle parce que, bon, quand les gens ont envie d'apprendre le français, la première image, c'est toujours la France. Mais après, il y a des gens comme ceux qui ont mis leurs commentaires par ici, qui en fait détestent la France, même si peut-être ils y sont jamais allés. Mais on a au Brésil, les mêmes clichés sur les Français
Et surtout que les Français sont désagréables. Ils disent souvent Ouais. ça, les Français sont désagréables. Et au contraire, sur les Canadiens, on dit toujours que les Canadiens ressemblent beaucoup aux Brésiliens dans le sens où ils sont très sympathiques, très ouverts, Ouais. très communicatifs depuis le début. Donc c'est un truc intéressant. J'ai oublié de marquer ton nom ici dans le... J'ai pas mis le titre, mais Ah, ok, c'est bon. je vais te marquer quand même pour que les gens puissent te trouver après. Et Audrey, pourquoi est-ce que tu as comme... Attends, c'est Audrey, YouTube tout ensemble? Avec un seul Underline après? Y au milieu, là. Pardon? Avec un seul Y au milieu. Ok. Et direct, il n'y a pas tiret bas, il n'y a rien du tout après. Non. Non. Ok. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as commencé à créer ton YouTube et ton compte TikTok, Instagram et tout? Ouais, ça fait très très longtemps le YouTube. C'était en 2012 mes premières vidéos. J'étais encore toute jeune aux études. C'était vraiment juste un loisir que j'avais commencé comme ça pendant les vacances, un été pendant les vacances pendant que j'étais aux études. Puis au départ, c'était vraiment juste un loisir. Je parlais pas encore de langue française et tout ça, là. Ça a été graduellement au fil des années, mon contenu a évolué. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai toujours été créative. J'ai toujours aimé les arts en général. Quand j'étais petite, c'était plus le dessin, la peinture, puis les arts visuels. Puis, ben, en vieillissant, puis j'ai découvert les médias sociaux à l'adolescence. Puis là, en vieillissant, mais je suis plongée dans cet univers-là. Puis j'aime beaucoup créer, donc c'est comme ma façon de m'exprimer. Ouais. Ah bah cool. Qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu imagines sur le Brésil? Ah, honnêtement, très peu de choses. Je suis jamais allée, je connais personne qui vient du Brésil à part un peu sur les médias sociaux, mais vraiment, j'en connais très peu. Mais je trouve que ça semble très chaleureux. Vous semblez avoir vraiment une belle culture, là. Je pense que le cliché qu'on s'imagine quand on connaît pas votre pays, c'est peut-être les gros festivals et la joie, les couleurs, là, un peu. Et c'est Mais drôle, Audrey, parce honnêtement, j'en que connais très peu. là, à cause du Ouais, vas-y. Covid, à cause Ouais, de la non. pandémie, à cause du Covid, justement, ça aurait été cette semaine le carnaval, Ah, qui sont OK. justement les grands festivals, etc. Et Ouais. en fait, ça aurait été lundi, mardi, mercredi, et ça a été Ah. annulé pour la première fois dans l'histoire du Depuis Brésil. Et toujours. alors, les Ouais. gens sont un peu sous le choc encore de oh, cette année, il n'y a pas eu de carnaval. Ouais, c'est fou, ouais, en effet, mais ça, on est tous dans le même bateau, nous aussi, chez nous, il y a plein d'événements majeurs qui sont annulés, là, mais, ah ouais, ben c'est cette image-là, je dirais, que quand on connaît peu votre pays, c'est quand même une image positive qu'on se fait, là, la joie, puis les carnavals et tout. Et je vois des gens qui disent l'accent est très difficile à comprendre. Mes élèves, ils ont toujours cette Ouais. idée. Est-ce que si j'apprends le français, je vais comprendre les Canadiens? Est-ce que je vais pouvoir aller habiter au Canada et tout? Et je leur explique toujours, ben, c'est la même langue. C'est comme en portugais, par exemple. Ici au Brésil, on parle le portugais. Ouais. Et au Portugal, ils parlent portugais. Mais au premier contact, tu n'as pas l'impression que c'est la même langue parce que l'accent est très Ouais. différent. Et pour moi, c'est un peu la même différence entre C'est le presque français. exactement la même chose, j'ai l'impression, parce qu'on provient de, bon, si on suit à l'histoire d'anciennes colonies et tout, donc nous, on est une ancienne, c'est les Français qui sont venus coloniser le territoire nord-américain, puis donc la descendance fait qu'on parle la même langue, mais que l'accent évolue différemment. En anglais aussi, c'est le même phénomène. L'accent, quand tu apprends, comme moi, c'est plutôt l'anglais, ma langue seconde, que j'ai appris à l'école et tout. Mais quand tu es habitué à l'accent américain, tu entends dans les films américains, puis après, quand tu entends un britannique, un accent british, c'est difficile à comprendre. Mais c'est la même langue, en fait, mais c'est exactement le même phénomène, je Ouais, pense. tout à C'est juste une fait. question d'habitude. Et je me souviens que quand j'étais petite, on allait au cinéma au Brésil, donc, parce que j'habitais au Ouais. Brésil. Et je me souviens qu'une fois, je vais pas me souvenir le nom du film, mais une fois on est allé, j'étais pas très petite, j'étais adolescente, on va dire, je sais Ouais. plus exactement quel âge, mais on était allé voir un film canadien.
et en français, francophone. Ouais. Et je me souviens qu'au début, j'étais là, genre, oh, je vais rien comprendre, Ouais. faut que je lise les sous-titres. Mais c'est vrai qu'après, on s'habitue, tu écoutes un peu, et moi aujourd'hui, je comprends tout. Je vois qu'on prononce vraiment différemment quelques mots, mais on comprend absolument tout. C'est la même langue, les mêmes structures de langue, etc. Exact. C'est C'est peut-être sûr un que peu ça le dépend du vocabulaire. niveau de langage parce que, bon, c'est dans certains films peut-être ou dans la vraie vie, là, tu peux croiser des gens dans la rue qui ont une conversation entre amis qui ne vont pas faire attention aux mots qu'ils utilisent puis qui vont prendre des expressions très québécoises. Là, j'imagine que c'est vraiment difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué, mais je pense que quand on fait un minimum attention au vocabulaire qu'on utilise pour que ça ne soit pas trop, trop québécois, mais c'est la même langue en fait, là. Et tu vas nous faire un cours, donc. Une Ben, expression vraiment je vais québécoise. essayer. Je vais essayer. Ça serait quoi une expression québécoise? Oh mon Dieu, mais il y en a plein, je ne sais pas. Allez, une que tu utilises tous les jours, fréquemment. Ben, je pense qu'on utilise beaucoup. Ben, c'est plate à dire, mais on utilise beaucoup d'anglicisme, là. Donc, on peut dire. J'aime full ça veut dire j'aime beaucoup. Ou, c'est oh my god, puis les anglicismes comme ça, là, il y en a, je pense qu'on en utilise pas mal à tous les jours. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'expressions aussi, mais c'est dur, c'est difficile comme ça d'en trouver. Mais ceux, par Là, contre, il y qui a sont des gens qui intéressés, ont j'ai plein de proposé, par vidéos exemple, à ce sujet-là. Mina, Hein? par Pardon? exemple, a proposé melon d'eau. Melon d'eau, j'imagine que ce soit une pastèque, c'est ça? Ouais, exactement. Melon d'eau, c'est un classique, là. Les Français sont. Si un Québécois dans une vidéo sur les médias sociaux, il parle que manger du melon d'eau, c'est tout le temps, ça fait tout le temps la controverse. Ah, mais c'est pastèque! Mais non, nous on dit melon d'eau comme parce qu'en anglais, en fait, c'est Ben watermelon, oui. c'est la même chose. Mais Et comment ouais. Là, moi, une je lis un peu glace? les commentaires, là, ils ont plus dit que moi. Tire-toi une bûche, ouais. Tire-toi une bûche. La personne dit, essaie de deviner ce que ça veut dire. Est-ce que tu la connais, cette expression-là? J'ai aucune idée. Tire-toi une bûche. Ouais. J'ai aucune idée. Ben, Peut-être tire-toi avec une bûche, ça dirait. en Oui, vas-y. contexte, peut-être que je peux essayer de deviner si c'est une phrase en contexte. Donc, quand est-ce que tu Ben, ok, utiliserais ouais, tire? je vais faire semblant d'une conversation là, si on était plusieurs personnes, ok? Ben, souvent, on dit ça dans un contexte de on est entre amis, là. Je serais assis à table ou je serais assise autour d'un feu ou assise à table. Puis mon ami arrive, puis je dis, ah, viens, tire-toi une bûche. Est-ce que tu as deviné? Rapproche-toi, je sais pas. Ouais, un peu. Rapproche-toi bien. Ouais. Ben, bûche dans le sens, Un banc. j'imagine très anciennement qu'on pouvait Un banc. s'asseoir en Oui, comme nature au... sur une bûche directement. Donc, ça veut dire, viens, prends-toi une chaise, assis-toi avec moi. Ouais, d'accord. Mais voilà, c'est un peu ça. Par le contexte, je peux comprendre. Ouais. Mais si on me dit, tire-toi une bûche, j'ai aucune idée de ce que c'est. Non, Est-ce qu'il y a des tellement. expressions françaises que tu comprendrais pas? Enfin, c'est un peu bizarre parce que la question c'est est-ce qu'il y a des expressions françaises que tu trouves très Ouais. bizarres? Donc tu m'as Ben dit par oui. exemple le langage c'est chiant ou je m'en fous, j'imagine ce type de Ouais. langage que les Français peuvent utiliser Ouais. souvent. Et Ben oui, il y en a un peu. C'est sûr que parfois on peut entendre une expression française et se dire, moi je dirais vraiment pas ça. Mais c'est rare qu'on ne comprend pas du tout. Je pense qu'en général, les Québécois comprennent mieux les Français que les Français comprennent les Québécois. Tout simplement parce que l'accent français est peut-être un peu plus proche de ce qui est international, dans le sens que dans les films, les traductions françaises dans les films, ben on entend quand même souvent l'accent français. Ben je sais qu'il y a plein d'accents français selon les régions, mais plus l'accent parisien, disons, là. Mais par contre, à l'inverse, les Français, à moins d'être vraiment intéressés à ça, puis d'aller chercher des films québécois ou des artistes québécois, si tu ne t'intéresses pas à ça nécessairement, tu ne fais pas de recherche pour tomber sur du contenu québécois, tu n'en entends pas, en fait. C'est plus rare pour eux d'entendre des Québécois parler que pour nous entendre des Français parler. Donc, je pense que c'est rare qu'on comprend vraiment rien. Donc, la plupart du temps, on comprend même les expressions. À moins que ce soit vraiment rare, là, vraiment une expression spéciale, qui n'est pas beaucoup utilisée, mais je pense qu'en général, on comprend bien. Et alors, c'est une bonne chose pour ceux qui partent au Canada. Il faut que vous vous habituiez
au à l'accent canadien et québécois. Et Oui. du coup, des artistes québécois, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quand on apprend une langue, il faut écouter de la musique, il faut voir des séries, il faut voir des films. Est-ce que tu pourrais nous recommander une série québécoise? Ben oui, mais moi il y en a plusieurs que j'ai aimées, mais je ne sais pas si c'est difficile de les retrouver. Par contre, je ne sais Il y pas en comment. a sur Ouais. Netflix, peut-être Ouais. que s'il y en a sur Netflix, peut-être qu'ils peuvent la rencontrer Il ici y en aussi. a Et un. aussi, il y a des élèves qui habitent au Ah, c'est Canada et qui pourront la trouver. oui, c'est vrai. OK. Ben en fait, sur Netflix, j'ai vu qu'il y avait la série M'entends-tu? Ça, c'est une série québécoise qu'ils ont ajoutée dans plein de pays sur Netflix. C'est très rare parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça dans les autres pays. Ben, même nous, sur le Netflix canadien, il n'y a pas beaucoup de séries québécoises, malheureusement. Il y a beaucoup plus de contenu en anglais. Mais M'entends-tu? C'est très, très québécois. Ça, c'est le genre de série que c'est peut-être difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués, mais justement, ça vous permet de vous pratiquer. Parce qu'il parle un langage très cru, un langage de la rue, là, si je peux dire ça comme ça. On suit trois personnages, trois filles qui vivent dans un quartier défavorisé à Montréal, puis qui parlent vraiment un langage là, de la rue, puis qui sacrent, puis qui utilisent plein d'expressions québécoises. Mais c'est vraiment bon, c'est vraiment une bonne série, puis c'est disponible sur Netflix, je pense, dans les autres pays aussi. Je vais Je prendre en vois le note prof même. Nomade qui valide, qui dit la même chose que moi. C'est m'entends-tu? Ça s'appelle Ouais, m'entends-tu? 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 Fait que ça, ben, je la propose parce que je sais que c'est disponible sur Netflix, puis il y en a très peu du contenu québécois là-dessus. Mais sinon, à ceux qui sont ici, là, à ceux qui sont au Canada puis qui ont accès à notre contenu ici, ben, je vous recommande la plateforme Tout.tv. Tout, Tout.tv. Ça, c'est le site, en fait, de Radio-Canada. Radio-Canada, c'est une chaîne d'État, une chaîne de télévision populaire au Québec, où il y a plein, plein d'émissions québécoises qui sont là-dessus. Puis le site Tout.tv ou l'application sur le téléphone, là, ça porte le même nom, c'est comme un peu leur Netflix québécois, là. Donc, c'est toutes des émissions, ben, pas toutes, là, j'imagine qu'il y en a des américaines aussi là-dessus, mais c'est beaucoup d'émissions québécoises produites au Québec. Qui sont là-dessus. Fait qu'il y en a Ah bah plein, c'est là. Il y en a vraiment plein. Ouais. cool. Et un chanteur, une chanteuse ou un groupe que tu aimes bien? Ah, ouais, bonne question. J'avais plus réfléchi aux séries puis aux Je t'ai films pas que moi à posé la les questions musique. avant, hein. Je suis un peu injuste. Je m'excuse. Ouais. Mais non, c'est bon. Ben, moi, j'aime beaucoup Émile Bilodeau, qui est un chanteur québécois. Les Cowboys fringants, c'est comme un assez classique, très très québécois là. Ouais, ben là c'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais on dirait que vite comme ça me vient pas. Je vois Cœur de pirate. Cœur de pirate est connu en France par Cœur de contre, mais c'est pirate, déjà connu à ouais. l'international, hein. Ouais, là, ils disent Cœur de pirate, Marc Ouais. Dupré, Beatles. Tout le monde voit Ah, ton poster de ben Beatles peut-être à cause de ça, derrière mais toi. c'est vraiment pas québécois, hein. Ça répond pas à la Pas du question. tout. Ben ouais, moi j'aime beaucoup Émile Bilodeau, Les Cowboys fringants, Louis-Jean Cormier. Je pense que ça serait dans mes préférés, là, personnellement. J'espère que Les tu pourras trois après. accords aussi, c'est très très québécois, c'est un peu humoristique leur chanson. Ouais. J'espère après que tu pourrais m'envoyer ça par message Ah parce que je oui! n'arrive pas à prendre note, j'ai pas pris de stylo et ça m'intéresse après de pouvoir écouter et même de travailler avec mes élèves. Je fais des cours tous les jours, tous les matins, je leur fais des cours en direct ici. J'ai un cours Ah. aussi fermé, mais je produis beaucoup de matériel sur les réseaux sociaux. Ouais. Et alors j'aime bien prendre des chansons et travailler avec eux ben, le vocabulaire des chansons, la Ouais. prononciation. Et ça serait vraiment un grand défi pour moi. Et en même temps, ça serait Mmh. vachement intéressant de travailler sur une chanson Oui, mais oui, québécoise. je pourrais t'envoyer un petit résumé de ce que j'ai nommé. Je vois tout le monde qui nomme Céline Dion puis Garou. Oui, ils sont très talentueux, mais personnellement, j'en ai un peu marre que ce soit tout le temps les mêmes noms qu'on nomme quand on parle des artistes québécois. Il y en a plein d'autres des plus actuels, plus récents. Donc, moi, j'ai essayé de nommer ce que j'aime personnellement, ce que j'écoute Cool. personnellement. Fait que Et voilà. en fait, ce que tu dis, c'est exactement la même chose qui se passe par rapport à la France. Parce que les gens Ouais. pensent souvent à Édith Piaf. Et en fait, ça fait Ouais. super longtemps qu'Édith Piaf est morte. Enfin, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup la Ouais. chanson d'Édith Piaf et tout. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est pas du tout la chanson que les jeunes écoutent aujourd'hui en France. Mais c'est pareil comme Céline Dion, mais elle est encore en vie, puis elle a encore beaucoup de succès, là. Elle a un talent indéniable. Je ne veux pas parler contre Céline Dion, mais personnellement, j'écoute pas du tout sa musique. C'est pas vraiment ce qui est actuel, puis ce que les jeunes écoutent, là. Ben, peut-être certains, oui, je veux pas juger, mais il y a plein d'autres artistes talentueux aussi. Ben, je voulais vous nommer, faire différent. Un peu, je vois quelqu'un qui dit un peu quétaine, oui, puis ça, c'est une bonne expression québécoise. À dire au passage, quétaine, je sais pas si tu Non, comprends je qu'est-ce que connais. ça veut dire. Non, hein? Je pense qu'en France, on dirait ringard. Ouais, Je pense. ringard, un peu quétaine, Ouais. un peu ringard. Quétaine, c'est une façon de dire en québécois, c'est comme un peu démodé, là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ouais, je suis d'accord, Céline Dion. Et Garou, il habite en France, non? Que oui, il fait de la télé française, hein. Il a participé à des émissions Je de pense Voice. il fait The Voice. Je Ouais, pense qu'il fait hein? The Voice. Ouais. Ok. Et par rapport à la différence entre être francophone au Canada et Ouais. être anglophone au Canada, est-ce qu'il y a une espèce... C'est vraiment une question, hein, je ne sais pas du tout. Vas-y. Est-ce qu'il y a une séparation entre les gens qui parlent français, ceux qui parlent anglais? Ouais. Ouais, quand même. Il y a une certaine rivalité, là, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais selon notre histoire, là, et les guerres et tout, il y a comme une certaine rivalité, un peu certains anglos aiment pas les francophones, mais bon, pas tout le monde, on s'entend, là, mais il y a une petite rivalité encore. Ben, en fait, comment dire, le Québec, la façon que le Canada est fait, pour ceux qui connaissent pas là, du tout ou peu, vous savez probablement que le territoire du Canada, c'est assez immense, hein, donc c'est un très grand pays en termes de territoire. Puis il y a plusieurs provinces différentes et le Québec, c'est pas un pays en soi, même si certaines personnes, ça pourrait être un très bon sujet, là, je suis pas sûre qu'on va s'embarquer là-dedans, mais le Québec en soi n'est pas un pays, c'est une province qui fait partie du Canada, bien que certaines personnes aimeraient que ça devienne un pays, mais ça ne l'est pas, ça fait partie du Canada. Puis, oups, j'ai échappé quelque chose. Puis, le Québec est la seule province en majorité francophone, donc où le français est la langue principale, la langue la plus parlée. Donc, dans toutes les autres provinces, c'est l'anglais qui est majoritaire. Oui, il y a des provinces bilingues, il y a des provinces où il y a quand même plusieurs personnes qui parlent français, mais comme le Nouveau-Brunswick, par exemple, qui est considéré bilingue. Par contre, ben c'est ça, le Québec, c'est la seule province vraiment majoritairement francophone. Donc, toutes les autres, là, la majorité du Canada en entier, ils parlent anglais, les gens, en grande majorité. Donc, c'est ça un peu Et vous, la à l'école, dynamique. vous apprenez les deux langues. Donc, dans les écoles francophones, vous avez de l'anglais depuis le début et Oui. et vice-versa. Oui, là, excuse, j'ai lu les commentaires en même temps. Je vois le prof Noman qui dit qu'il y a des communautés francophones dans toutes les provinces. Oui, c'est ce que j'essayais de dire. Il y en a un peu partout à travers le pays, mais ça reste que c'est quand même en majorité anglophone ailleurs dans les autres provinces. Puis, oui, on apprend l'anglais en tant que langue seconde, mais c'est pas non plus un niveau hyper élevé. Même chose pour le français. Donc, dans les provinces en majorité anglophone, ils apprennent le français en tant que langue seconde, mais c'est comme la base un peu. C'est pas seulement avec l'école que tu vas devenir totalement bilingue, j'ai l'impression. Faut faire des efforts par soi-même, faut continuer des études supérieures ou par soi-même à la maison, écouter du contenu dans l'autre langue pour devenir vraiment bilingue. Parce que ce qu'on apprend au primaire et au secondaire, c'est quand même la base, je dirais. Donc, ouais, ça ressemble à ça le contexte par rapport au Ça doit être français un et peu, ça ressemble un peu, je pense, à la Belgique. J'ai une très bonne copine qui est belge. Et là-bas, ben, c'est la même chose. Ils ont des cours de flamand depuis le début. Elle est dans le côté francophone, mais elle parle pas flémish comme ça, c'est ça exactement. tranquillement. Ben alors, c'est assez drôle pour nous qui habitons au Brésil, parce que c'est un immense pays aussi où tout le monde parle le portugais. Ça a à voir avec notre histoire, avec la colonisation, avec bien sûr, pour que tout le monde parle portugais. Ils ont dû interdire d'autres langues ou
faire de sorte que les gens ne parlent pas de les autres langues qui Oui, étaient parlées mais ici. c'est ce qui aurait pu nous arriver, hein. Le Canada aurait très bien pu être anglophone au complet, mais bon, on a survécu. La langue française a survécu, mais c'est ça. Ouais, Et c'est une bonne c'est expérience. un peu, est-ce que tu penses que c'est un peu encore une espèce de lutte de maintenir le français au Canada, ou tu penses que vraiment c'est établi comme ça et... Parce que Non, je mais demande ça ça parce dépend que des vraiment langues. avec le temps, on parle des anglicismes, on en a dans toutes les langues. En Puis portugais, on a l'anglais de prend plus en beaucoup de plus. place. Et alors j'imagine que pour vous, c'est encore plus complexe parce que du administratif, il peut marcher. Ouais, tu es là de Ça a retour. coupé Je pense un que peu. ça a Est-ce que bugué, toi, mais tu m'entends ça. bien? Ouais, un peu. Ouais, je te Bah, vois. c'est revenu, je pense. OK. Ouais, c'est bon. Je disais juste qu'on parle de plus en plus anglais dans le quotidien et que vous, vu que vous êtes dans un pays qui administrativement peut marcher en anglais, est-ce que c'est Ouais. un. J'imagine que ça peut être un peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'on fait des efforts collectivement, puis au niveau gouvernemental aussi, pour que le français se préserve. Il y a la fameuse loi 101 qui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas une spécialiste des lois non plus, Bien sûr. mais qui a pour but de protéger la langue française. Donc, c'est une loi qui englobe tout plein d'aspects au niveau de la langue française, dans le sens les commerces doivent être. Le nom doit être écrit majoritairement en français sur les écriteaux, sur les panneaux. Bon, tu sais, tout ça, là. Donc, il y a vraiment plein de mesures mises en place pour que de façon légale, on doive conserver le français. Après, est-ce que les gens font dans leur maison? Si tu préfères parler anglais chez toi, il n'y a pas un policier qui va venir cogner à ta porte, là. C'est plus au niveau gouvernemental que ces lois-là existent. À l'école aussi, là. Donc, les écoles, on apprend le français. Prioritairement, puis l'anglais un petit peu en tant que langue des secondes, la base pour se débrouiller, mais c'est vraiment en français que se fait l'éducation au Québec. Donc, ça, c'est sûr que ça aide à conserver et entretenir le français. Oui, il existe des écoles anglophones au Québec, mais c'est pas la majorité, là. Donc, voilà. Cool. Est-ce que, donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé si vous avez aussi des cours d'espagnol ou peut-être d'autres langues à l'école? Je pense que l'espagnol, ça serait considéré comme la troisième langue relativement commune qu'on peut apprendre à l'école, mais c'est pas si commun que ça. En fait, là, ça fait pas partie du programme officiel, on n'est pas obligé. C'est vraiment français en premier, anglais en deuxième. Je parle pour le Québec, là, pas pour le Canada en entier, parce que dans les provinces anglophones, c'est l'inverse. Mais c'est ça. Pour le Québec, c'est vraiment français en premier qu'on apprend, anglais comme langue seconde. Espagnol. Personnellement, j'ai suivi des cours un peu quand j'étais au secondaire pendant 2 ans, mais parce que j'étais dans un programme international, donc on avait plus de cours là, divers comme ça. Il y avait l'espagnol qui était offert, mais faut être dans un programme spécial. C'est pas tous les élèves qui ont droit à ça. C'est très différent. Là, par contre, c'est très différent du système brésilien, parce que dans le système brésilien, on n'a pas beaucoup de cours optionnels. On a une scolarité qui est très linéaire pour tout le monde, ce qui est assez bizarre aussi, parce que vu que le Brésil est vraiment un truc géant, Oui, je c'est comprends. assez bizarre que partout, on apprenne exactement les mêmes choses. Ouais. Moi, je trouve ça bizarre. Mais c'était pas vraiment un cours optionnel. Je sais pas comment bien l'expliquer. C'était pas vraiment un cours optionnel. Moi, j'étais obligée de prendre les cours C'est parce que d'espagnol tu étais parce que dans un j'étais dans programme international. un D'accord. programme international, exactement. Donc, s'il y a peut-être d'autres personnes qui passent ici, qui savent de quoi je parle, qui ont fait ce programme-là. Mais c'est vraiment pas tout le monde, là. La majorité des gens au Québec, c'est juste français et anglais qu'ils apprennent. Ouais, ok. Et ben ici, peut-être que l'équivalent serait les écoles bilingues ou même les écoles internationales. Il y en a aussi de plus en plus. Donc, ça existe aussi. Et en France, ça existe aussi, mais en France, vu que l'éducation publique est très très forte, c'est très rare que les gens aillent dans un lycée international parce que ce sont Ouais, je comprends. des lycées. Et est-ce qu'au Canada et au Québec, mais là j'imagine que ce soit une loi pour tout le pays, l'éducation est publique?
Oui, mais il existe de l'éducation privée aussi. Mais le système public a quand même beaucoup d'ampleur, là. C'est ce qui est, je sais pas comment dire, il y a plus d'écoles publiques que privées, je pense, si on faisait le calcul, là. Donc, c'est plus public que privé, mais il existe aussi des écoles privées, principalement pour le secondaire. Donc, rendu au secondaire, à l'adolescence, il y a des collèges privés, là, où tu peux choisir de t'inscrire dans un programme en particulier, un volet international, un volet sport, un volet art. Souvent, les adolescents, les familles peuvent choisir une école privée pour soit pour le prestige ou soit pour un programme en particulier qui intéresse l'adolescent. Mais il y a des programmes comme ça au public aussi, là, soit dit en passant, c'est vraiment une préférence personnelle. Ça n'empêche pas d'aller dans un programme particulier au public aussi. Les deux en offrent, mais au primaire, c'est plus rare. C'est sûr que je ne connais pas la situation pour tout le Québec en entier, mais si je parle pour ma ville, il y a une seule école primaire privée pour des dizaines d'écoles publiques, là. Mais par contre, au secondaire, il y en a quelques-unes. Donc, je pense que c'est plus commun pour les adolescents. Au primaire, c'est vraiment plus le public qui domine, si je peux dire ça comme ça. Il y a une question de le prof nomade. Il Ouais. demande, ou elle demande, oui, il demande quelle est là, c'est une question pour moi, du coup. Quelle est la deuxième langue la plus parlée au Brésil? J'imagine que c'est l'espagnol. Et en fait, non. Même si tous les pays qui font frontière avec le Brésil, presque tous les pays qui font frontière avec le Brésil sont des pays où on parle espagnol, en fait, on n'a pas de cours d'espagnol dans les écoles. Récemment, ils ont mis ça, mais c'est pas quelque chose. En fait, les gens souvent pensent qu'ils parlent espagnol parce que ce sont deux langues assez similaires. Et alors, on dit que c'est le portugnole. C'est un mélange entre le portugais. Là, je vois Lise Medeiros qui a déjà écrit portugnole. C'est ça, les gens, ils mettent un ou deux mots en espagnol et ils parlent en portugais. Et ils pensent qu'ils sont en train de parler l'espagnol. Mais en fait, la deuxième langue, c'est l'anglais. Dans les écoles, il y a des cours d'anglais. Donc, c'est l'anglais. Même si on pense à la population en général, les gens ne parlent pas très, très bien l'anglais. Donc, en général, bien sûr. Donc, le français, alors là, c'est encore moins. Si je ne me trompe pas, moins d'1% de la population brésilienne parle français. Donc, je dis à mes élèves à chaque fois que quand on parle français au Brésil, c'est vraiment être quelqu'un de très différent, et puis, Exceptionnel. voilà, exceptionnel et dans le bon sens, parce qu'on a plus d'opportunités, etc. Mais les trois langues, ce serait l'anglais, l'espagnol, mais très peu de gens parlent vraiment l'espagnol, et puis après viendrait le français. C'est intéressant. Oui, et alors, j'avais jamais pensé à aller faire du tourisme au Canada. Et depuis que mes élèves sont tellement, tellement amoureux du Canada, etc., ils me disent, ben non, Elisa, quand tu auras plus le Covid, il va falloir que tu y ailles. Alors, dis-moi, quels sont les endroits qu'il faut que je connaisse? Tu vas me dire au Québec, C'est je une suis sûre, mais. énorme question. Puis là, je suis sûre que le prof nomade, tu vas pouvoir répondre mieux que moi dans les commentaires. Mais c'est parce que c'est tellement un immense pays, puis moi-même, j'ai vraiment pas tout vu. Je suis pas énormément sortie du Québec, en fait. J'ai visité le Québec, l'Ontario, qui est la province voisine. Puis après ça, non, il y a rien. Il y a plein de choses que je veux voir moi-même. Comme je suis jamais allée dans l'Ouest canadien, qui semble magnifique. J'ai des amis, des membres de ma famille qui sont allés, puis que j'ai vu leurs photos, puis j'étais vraiment jalouse. Donc, je sais que, bon, le coin de Vancouver et Calgary, puis tout ça, c'est vraiment l'Ouest canadien, c'est vraiment très populaire, là. Mais ça dépend si tu parles du Canada en entier ou plus Québec pour un voyage. Il y a Oui, quelqu'un qui vient je à suis ton avis, sûre, là. j'en suis sûre. Audrey, je suis sûre, sûre, sûre et certaine que si je vais au Canada, je vais faire le côté francophone. Donc, le Québec, ce sera. Principalement le Québec. OK. Ben là, je lis un peu les commentaires, ça me donne des idées. Charlevoix, c'est vrai que c'est magnifique. La Gaspésie, ben en fait toute la côte, tu sais, tu peux comme suivre, ben
Je pense qu'un beau voyage là, assez complet, ce serait de partir d'une grande ville, sûrement qu'en avion, t'atterris à Montréal. C'est comme le classique, la métropole. Ben, c'est pas la métropole officielle, mais tu sais, la grosse ville. Visiter un peu Montréal, bon, les musées, les festivals et tout, si on s'entend dans quelques années, quand ça va être complètement normal, là, parce que l'ambiance peut être vraiment agréable. Les restos, les terrasses, les festivals, tu sais, voir un peu Montréal. Puis après, ben, en fait, faut vraiment être sur la route, là, parce qu'il faut vraiment louer une voiture, je pense, parce que c'est plus compliqué, malheureusement, en transport en commun. Mais juste à Montréal, puis les plus grosses villes, ça se fait très bien en transport en commun. Mais si tu veux aller loin, jusqu'en Gaspésie et tout, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est ça, je partirais de Montréal, puis je ferais vraiment un long trajet, suivre le fleuve Saint-Laurent, puis arrêter dans plusieurs villes, là. Voir Québec aussi, c'est un classique parce que la province s'appelle Québec, mais il y a la ville de Québec, qui est comme la deuxième ville, une des plus grosses villes, pas mal la deuxième plus grosse ville. Donc oui, Montréal, Québec, puis après ça, aller plus loin aussi, là, plus sur le bord de l'eau. Charlevoix, c'est magnifique, et la Gaspésie aussi, c'est magnifique, mais c'est loin, c'est genre à 10 heures de route à peu près de Montréal. Mais si c'est Wow! un. Ouais. Mais si c'était un long voyage de quelques semaines, ça se fait quand même bien, là, la route. Mais il faut pas penser que tu fais tout comme ça en une semaine, parce que c'est impossible. Ça, c'est comme un cliché parfois, les gens qui viennent d'ailleurs, principalement les Européens, parce que leurs pays sont comme tout vraiment proches les uns Ouais. des autres. Ils peuvent s'imaginer, planifier un giga voyage. Ils vont aller voir plein de choses, là. Montréal, Québec, après ça, Tadoussac pour aller voir des baleines, après ça, les chutes du Niagara, mais comme en une semaine, ils pensent qu'ils vont faire tout ça, mais c'est complètement insensé parce que c'est trop de kilomètres, là, trop d'heures de route. Mais en quelques semaines, tu peux voir beaucoup de choses. Je vois C'est la des même régions chose au complètement Brésil. différentes. Oui, C'est la même excuse-moi. chose au Brésil par rapport à la Ouais. taille du pays. Ce sont des pays continentaux. Et par exemple, si tu regardes la carte du Brésil, tu penses, Ouais. ben, São Paulo et Rio, c'est à côté. Et en fait, c'est 6 heures de route. Donc, c'est un peu Ouais, la c'est même ça. chose. Et alors, C'est un peu souvent, les comme ça, Français, ma famille, l'immigration. ouais, et ma Ouais. famille, quand ils viennent au Brésil et ils se rendent pas trop compte, alors ils me disent, non, on va arriver à São Paulo, on va connaître la ville en un Ouais. jour. Et genre, São Paulo, c'est une immense ville, donc c'est simplement impossible en un jour de Ouais. tout connaître. Je comprends. Et après, ils disent, non, après le week-end, on le fera à Rio, après on ira à Bahia, et après en Amazonie, et puis non, non, tu feras pas tout ça dans un voyage. Moi-même, Exact, un peu comme toi, ouais. moi, je connais pas tout le nord du Brésil, je connais le nord-est, mais pas le nord du Brésil, l'Amazonie et tout ça. Je connais pas le centre-ouest, où il y a aussi des paysages incroyables avec le Pantanal, enfin, une végétation très spécifique, avec des Ouais. animaux. Mais je connais pas non Oui, plus. parce que, bon, même quand on a un magnifique pays, parfois, on a tendance à vouloir voir le reste du monde aussi, à pas nécessairement voir toutes les régions de notre pays avant d'aller ailleurs dans le monde. C'est un peu dommage, mais c'est ça. Mais là, j'ai vu un commentaire qui disait les quatre saisons, là, en fait, c'est vrai, ça m'a fait penser, là, on a vraiment quatre saisons très distinctes. Donc, ça dépend ce que tu veux voir. Parce C'était que ma tu peux autant. prochaine question. C'était Ouais. ben, en quelle saison faudrait aller Ouais. au Canada? Mais toutes les saisons, ça dépend ce que tu veux voir. Personnellement, ce que je recommanderais le moins, c'est peut-être le printemps, dans le sens. Ah bon? Ouais, parce que, genre, mars, avril, il y a encore de la neige. Mais elles font, puis c'est tout plein de boue, c'est tout sale. Mais ben, moi, C'est personnellement, la neige comme à Paris, en fait. La c'est neige la comme à neige. Paris, parce qu'à Paris, il Ouais, neige un jour, et mais après, ça pire, parce devient... qu'il y a eu énormément de neige, et là, elles font, puis toute la saleté qui s'est accumulée pendant l'hiver, c'est comme tout brun, tu sais. C'est peut-être un peu moins attrayant le début du printemps, là. Moi, c'est ce que je recommanderais le moins. Sinon, je recommande presque tout le reste de l'année. L'été, il fait chaud, il fait beau généralement. Il y a plein d'activités de plein air que tu peux faire, des Et festivals, chaud, des c'est restos combien? et tout. Chaud, c'est quoi pour toi? 25, 30, à peu Ah, près. ok. Ouais.
Mais comparé à vous, j'imagine. 25 pour certains Brésiliens, il fait froid. On se met une écharpe quand même. Ah ouais, mon Dieu, mais pour nous, c'est chaud, là. Mais humide, là. Un 25 chez nous, il fait chaud, là. Ouais. C'est peut-être pas le même climat non Ouais, plus. tout à C'est fait. à comparer. Mais bref, l'été, il fait beau, il fait chaud, tu peux faire des activités extérieures et tout, mais c'est peut-être moins différent pour vous de venir en été. Je sais pas, ça dépend ce que vous voulez voir. L'automne, c'est magnifique, les couleurs. Fin septembre et octobre, c'est le meilleur temps pour voir les couleurs. Les arbres orange, rouge, les feuilles qui changent de couleur. Oh. Si t'aimes faire du plein air, là, aller faire de la randonnée en montagne, puis voir les couleurs, c'est magnifique. Ça dure pas très longtemps, par contre. Ça dure juste quelques semaines. Après, elles sont toutes tombées par terre, puis là, ça commence à être moche. Fait que là, il y a une période en novembre, début décembre. Là, c'est un peu moche parce que les feuilles sont toutes tombées, il fait froid, mais il n'y a pas de neige encore, c'est gris. Fait que ça, je le recommanderais moins. Septembre, octobre, super beau, les feuilles qui changent de couleur. Novembre, pire mois. Puis après, ben, l'hiver aussi, c'était très beau, là. Janvier, février, il y a beaucoup de neige, mais il fait super froid, comme en ce moment, s'il fait des moins 20, moins 25. Il faut vraiment que tu sois bien vêtu. C'est peut-être un peu compliqué pour un court voyage parce qu'il faut comme que tu t'achètes un gros manteau puis des bottes et tout juste pour un voyage. C'est peut-être un peu compliqué, mais ça vaut la peine parce que c'est super beau, des très beaux paysages. Et si tu veux faire du sport d'hiver et faire du ski et tout, il y a plein de choses à faire en hiver aussi. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour un Et peu des en saisons. hiver, tu Ça dépend marches. ce que tu veux. Mais en Oui, hiver, tu vas-y. marches pas vraiment dans la rue. Ben oui, on le fait. Ben oui, parce qu'on n'a pas le choix. Nous, c'est notre quotidien. Les quand même travailler à pied. Et la vie continue, mais ça dépend de la météo. Si c'est vraiment une journée où il fait moins 30, tu vas pas marcher des heures dehors parce que tu vas congeler. Mais s'il fait moins 5, moins 10, pour nous, ça va. On peut marcher dehors, puis il n'y a pas de problème. Ça dépend des journées. Bon, je pense que j'ai pris ma décision. J'irai en septembre, octobre pour un premier Ouais, bon voyage. choix. Ouais, pour un Ah ouais, premier voyage, parce que sinon tu as raison. Comment je vais pouvoir trouver au Brésil des vêtements d'hiver? Sinon, je vais ouais, arriver, je non. vais mourir de froid le premier jour. Ça va être terrible. Ouais. Ben, vrai, tout de suite que tu l'achètes en arrivant, mais ça coûte un bon manteau d'hiver. C'est des centaines de dollars, genre 500 $. Tu sais, ben, peut-être que tu Voilà. peux Ouais, trouver quelqu'un peut-être. qui te le prête, ou je sais pas comment tu peux faire quand tu es juste en Ouais, voyage, ils mais. devraient, lorsqu'ils vendent des billets d'avion, ils devraient louer, en fait, des vêtements et des bottes de. Ouais. Peut-être que, écoute, c'est une idée d'entreprise, hein, je lance ça à Ouais. quelqu'un. Non, non, mais peut-être que ça existe, je sais pas. J'ai jamais eu à me renseigner là-dessus, mais. Parce que s'il y en a qui ont déjà fait ça, venir juste en voyage pas longtemps puis qui avaient besoin d'un manteau d'hiver, qu'est-ce que vous avez fait? Je peux pas croire que tu vas dépenser un gros montant pour qu'après, tu n'en as pas besoin dans ton pays quand tu retournes. Peut-être qu'il y a des façons de juste d'en louer, je sais pas. Ouais. C'est un peu bizarre, mais peut-être, pourquoi Ben, pas. peut-être, je sais pas. Mais j'ai pris ma décision. Ouais. J'espère qu'en septembre, octobre, cette année, je pense que ça va être un peu dur. Moi, ça Étonnant, fait. peut-être l'autre année d'après. On va croiser les doigts. Ouais. Je devais aller en France. Ma mère et mon frère habitent en France. Et je devais aller les voir en Ah mai de l'année dernière. Et bon, j'ai pas pu. ouais. Et j'ai cru que je pourrais peut-être cette année, mais là déjà avec mon mari, on commence à se dire, je Ouais. pense que cette année ça va pas se faire non plus. Et voilà. Ouais. Donc j'espère quand même qu'en 2022, en Oui, on espère. septembre, octobre, je puisse aller au Québec, découvrir la ville de Je le Québec, souhaite. Montréal et tous les paysages que tu m'as décrits. De voir les feuilles rouge, orange, marron, etc. Je suis Oui, sûre que c'est ça va vraiment être. beau. Et puis surtout, bien sûr, de ma part, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment vivent les gens, comment parlent les gens, etc. En tout cas, Audrey, c'était un grand, grand, grand plaisir de te parler. Pareil pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Je sais que tu as travaillé toute la journée, que tu es là ce soir avec nous. Oui. Donc, je te remercie. Je t'ai bombardé de questions.
Donc, je te Ah, remercie de mais nous ça va. avoir un peu. N'hésite pas à m'écrire après en message privé pour que je puisse t'écrire les choses que tu veux savoir, là, pour OK. avoir par écrit certaines choses que j'ai dit, ça va me faire plaisir. Ah, super, je vais vraiment beaucoup te remercier de ça. Parfait. Et merci à tout le monde. J'espère que vous avez Ben bien profité de cette conversation, de pouvoir écouter une vraie Québécoise parler. Et puis, surtout aller sur le profil d'Audrey, sur son YouTube. Tu préfères quoi? YouTube, Instagram, c'est différent. TikTok? C'est sûr, sur Instagram, le contenu est plus court. C'est plus des images, parfois des stories. Mais s'ils sont vraiment intéressés à apprendre des choses sur le Québec, sur YouTube, j'ai des vidéos un peu plus longues, là, où plein de sujets. S'ils veulent savoir quelque chose à propos d'un sujet, ils peuvent chercher sur ma chaîne. J'ai une liste de lecture qui s'appelle Tout sur le Québec, je pense, quelque chose comme ça. S'ils vont sur ma chaîne, il va être écrit là, la liste de Tout sur le Québec. Il y a plein de sujets, donc c'est peut-être un peu plus détaillé sur YouTube. Sur Instagram, c'est plus mon quotidien de tous les Et jours. TikTok? TikTok aussi, j'adore faire des TikTok. C'est plus des petites vidéos humoristiques, je dirais. Si ça vous tente, si vous avez TikTok, venez me suivre aussi. Ouais, c'est vraiment chouette. Super. Ça marche. Merci, merci beaucoup, Parfait. Audrey. Et à très Merci à bientôt. toi. Un gros Bye. bisou. Bye bye. Ciao, Bye. Bonne ciao. soirée. Bonne soirée. Voilà. Muito obrigada a todos vocês. Merci beaucoup à tout le monde. Et à bientôt. Ciao, ciao.